strong at heart, but we're still dreaming. Wide open, leave this place behind, no matter what they say. Eh bien, salut à toutes et à tous, l'aime compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, sous la pluie, voilà, on se rafraîchit. Nouvel épisode de Madventure, et non, vous n'avez pas raté d'épisode si jamais vous vous dites « What the fuck ? Qu'est-ce qui vient de popper derrière moi ?» Eh bien, c'est que vous n'avez peut-être pas suivi mon dernier live qui était sur Twitch, et il n'y a aucun souci, je vais vous montrer ce que j'ai fait, et je suis plutôt content. Pour vous expliquer les amis, n'hésitez pas à me suivre en live sur Twitch, à tout moment je lance un live, vraiment ça pop aléatoirement. J'ai fait ça un matin, c'est pour vous dire, j'ai fait ça un matin. D'ailleurs, la semaine prochaine, ce sera plutôt le matin si je fais des streams. Et dans deux semaines, ce serait plutôt le soir. Mais rien n'est sûr. En tout cas, on est sous la pluie, on est sur Madventure. Et j'ai commencé du coup la maison. Merci pour vos commentaires justement, parce que c'est grâce à vous hein, en fait, que la maison a avancé en réalité. Et pas que grâce au live. Puisque tout simplement, souvenez-vous, moi j'étais avec ma concrete. Avec ma terracotta, pardon, j'étais avec ma terracotta et vous m'aviez tout simplement rappelé la possibilité d'utiliser de la concrete. Donc ces fameux blocs que nous craftons avec un mélange de gravier et de sable. Et puis après il faut humidifier tout ça. Bon voilà, j'ai fait tout ça en live, hein, si vous voulez voir la rediff, ça se passe sur Twitch. Pour ça vous pouvez me voir construire et je suis trop content parce que vraiment je me suis inspiré de rien tout simplement. J'ai fait cette maison vraiment, enfin elle est pas finie on dirait, je l'ai finie tu sais. Mais j'ai vraiment fait ça comme bon me semblait, donc c'est peut-être pas forcément parfait, mais... Waouh. Il y a eu un coup de foudre juste ici. Vous avez vu le feu? Il y a eu un coup de foudre juste ici, frérot. Oh. Attends, là il se passe trop de choses, là, en ce début d'épisode, n'oubliez pas le like. Aïe. Il y a eu beaucoup de choses aussi autour de la base, parce que regardez, là on a Théo Camio qui s'est installé. Mais pourquoi j'attire la foudre? Regardez. Je vais me prendre un coup de foudre, la tête de Wham. Et ben là-bas il y a quelqu'un qui a construit, j'ai pas encore regardé. Et là-bas également il y a une base que je suis allé voir en live. Donc là-bas c'est la base d'un ami IRL. Oh mais putain il a fait le Weezer Boss. Je suis mort de rire, mais il est trop chaud. Bref, c'est un pote IRL. Là c'était au Camio. Là je sais pas c'est qui, donc on ira voir. On ira voir dans cet épisode parce qu'on est là pour ça. Voilà, tout simplement, un petit épisode de chillax où on va un petit peu regarder les avancées. D'abord, je vous montre un petit peu la maison. Ah bon, il manque encore les fenêtres. Et donc, vous aurez compris un petit peu l'idée. Et regardez comment c'est large et grand. Et l'idée, c'est que ce soit très aéré, très lumineux. Avec pareil, une porte principale ici. Voilà, je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Et bien sûr, là, ça ne change pas. En bas, il y aura la grande baie vitrée juste ici. Voilà, alors on verra comment ce sera fait, hein. Mais après maintenant vous avez à peu près l'idée. Donc voilà un petit peu, deux étages, le rez-de-chaussée ici, le premier étage là. Est-ce qu'il y aura un suivant? Je ne sais pas, on verra ça par la suite. En tous les cas, c'est ici. Donc avec un mélange de concrete blue clair, bleu clair comme je l'imaginais, donc grâce à vous dans les commentaires, de l'acacia et du bois de cerisier. Voilà, tout simplement. Donc vraiment... vraiment content. Vraiment content. On va aller voir les bases des copains. On va aller voir un petit peu ce qu'ils ont fait. J'ai juste récupéré le lit là-bas. Comme ça, à tout moment, je peux dormir. Quand il fera nuit, il y a Aurélien qui est sur le serveur actuellement. Ça fait trop plaisir parce qu'à chaque fois que le serveur tourne, en fait, hein, H24, il y a toujours quelqu'un qui est connecté sur le serveur quasiment. Donc ça fait trop plaisir. Encore une fois, merci beaucoup à OMG Serve. Le lien est en description. N'hésitez pas à cliquer dessus si vous voulez commander. À passer par là-bas, vous avez 5% de réduction avec le lien en description ou avec le code MKOLO, ça revient pour le coup au même et je ne touche rien. Mais vous par contre vous avez 5% de réduction et OMG Serve savent que c'est grâce à mes vidéos que vous êtes allé sur leur site tout simplement. Et donc grâce à eux on a le serveur et ce qui permet à tous de s'amuser. Voilà, OMG Serve pour les serveurs Minecraft, Starbound, Bumble, TeamSpeak pour ceux qui ont encore. Et puis voilà quoi, pour pas cher et bon rapport qualité-prix. Et nous avons une piscine un peu suicidaire chez Théo Camio. Voilà, si c'est une piscine. Je suis en train de me noyer. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte. Ah oui, bah tu m'étonnes. Et en plus, le plongeoir là. Et voilà, j'ai touché le fond. J'ai touché le fond, mais je suis libre. Vivre libre!
Je ne veux plus tomber dans le piège du fou qui se met à genoux. Merci de refermer derrière vous. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh là là, un piège. Ok, donc on a sa salle des coffres. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas araignée, gravier, bois, lapsis. Lapsis. Heureusement que ce n'est pas un lapsus. Il s'est trompé, le pauvre. Pierre, très bien. Il fait vachement bon vivre par ici, on dirait vraiment. Alors ça fait trop plaisir parce que on dirait vraiment les bases à l'ancienne. Et ça, j'adore. Ça me manque. Salle des coffres. Ah, mais elle est là, la vraie entrée. Ouh. Salle de jeu. Mais c'est génial. Regardez ce qu'il nous a fait. Regardez, on voit ma maison. Enfin, ma future maison. C'est vrai que ça fait tâche avec le musée à côté. La cuisine. La place de la femme. C'est dans la chambre d'amis. Avec ton ami. Parce que t'es cocu. T'es cocu, mais t'es content. Oh. À tout moment, il me dépose une pêche dessus, puisque c'était une toilette. Hein. À tout moment, il peut faire caca. Bien sûr. Incroyable. Je me respecte. Voilà, très bien. Chambre d'amis. Putain, mais il y a pas mal de chambres d'amis et chacun des toilettes. C'est un hôtel ou... C'est une suite ou... Incroyable. Chez Théo, bienvenue. C'est la maison du bonheur ou... Et attendez, parce que c'est pas fini. On a un petit feu. Voilà. Et puis... En haut... La terrasse. Bon, il y a encore pas grand-chose, mais voilà. Eh ben, très bien. Bravo, Flo. Ça fait plaisir. Théo Camino. Eh, on va aller voir maintenant là-bas, parce que je suis curieux. Alors, je vais quand même survoler, pour ceux qui n'ont pas vu le live. Je vais quand même survoler... La base du frérot là-bas, que vous voyez ce qu'il a fait, parce que c'est vraiment juste monstrueux pour le coup. Est-ce que vous pensez que je vais y arriver sans fusée? Est-ce que vous pensez que je vais y arriver? Moi je pense que oui. Moi je pense que non finalement. Dommage. Eh ben, j'aurais économisé. Regardez-moi sa base. Oh, on va faire gaffe de pas lui casser. Alors il a son champ de blé ici. Il a un champ de carottes. Il a un champ de canne à sucre. Il a une maison plutôt badass avec un beacon, avec des bambous. Ils sont là. Mais surtout, regardez, messieurs, dames. Et ça, c'est génial parce que j'ai perdu tout mon stuff. Il a enfermé des villageois, il a farmé les villageois. Aqua Affinity, messieurs, dames. Sharpness 5, Infinity, Silk Touch, Mending, Unbreaking, Protection, Emerald. Incroyable! C'est juste un truc de ouf. Franchement, on peut se servir. Franchement, GG. Hein. Si tu regardes la vidéo, franchement, GG. Et moi, ce qui me régale, et c'est ce que j'ai dit en live, ce qui est magnifique, c'est que j'ai la certitude que du coup, personne ne peut cheater. Tu vois, autant sur les précédentes saisons de Madventure, parce que c'était de base, en fait, un serveur, avec les commandes, il y avait des OP et tout, tu vois. Là, il y a personne qui peut faire de commandes, en fait. Genre, juste personne ne peut cheater, et je trouve ça ouf. Et je pensais pas qu'il était aussi fort à ce jeu, Lix. Je pensais pas qu'il était aussi bon à Minecraft. Voilà, je me sens débile. Qu'est-ce qu'il a fait du coup là? C'est incroyable. Ah, il a fait une salle pour AFK. Mais putain, mais quel génie! Mais quel génie! Et alors regardez sa petite maison là. Oui, ça a bien changé. Waouh! Il y a du vin là. Oh! Non mais. On dérange ou. Ouais, mais la vache, ça la gigine! Monstrueux, il est monstrueux. Non, mais là, tu vois, ça c'est le Minecraft que j'aime. C'est le Minecraft que j'aurais aimé pouvoir faire, quoi. Mais je suis tellement nul. Oh, c'est tellement cool. Et on dirait, ça me fait penser cette base là. Ça me fait carrément penser à Siphano en 2013, frérot. Ça, je vois ça, je me dis Siphano 2013. Est-ce que c'est bon pour vous? Incroyable. Allez, je dors chez lui. Je vais un petit peu me LeBron James. Hop. Oh merde, bon, heureusement qu'il est blanc le drap. Alors. Voilà. Eh ben écoutez, on va descendre. Très bien, petite golden apple. Oh, c'est beau. Regardez-moi ce shader là. Est-ce qu'il est pas magnifique ce shader? Eh ben j'ai hâte d'aller voir la base que je ne sais pas à qui elle appartient. On y va direct. Eh, je vais faire un pronostic. Parce que je sais qu'il était connecté assez récemment. Là, pour moi,
c'est L7, c'est Fox. Et si ça se trouve, c'est pas du tout ça. Mais parce que ça matcherait avec ses connexions et l'avancée de la base. Mais si c'est Fox, il est ultra chaud aussi. Hein. Ça se peut, c'est pas Fox du tout. Hein. Mais c'est magnifique. Alors, je sais pas du tout par où on rentre. Hein. En tout cas, là, il y a un port. Voilà, bah écoutez, je vais venir par là. Hein. Merde. Allô. Et c'est trop cool qu'ils se soient installés à côté de ma base, tous, là. Ça fait trop plaisir. Merci. Oh non, merci, je vous en prie. On a une porte d'entrée ici, très bien. Passage vers plage et sortie secours. Oh là, ça m'étonnerait que ce soit Fox. Qui c'est qui est assez perché pour faire quelque chose comme ça? Oh, non, mais il y a trop de chemin là. Il y a des passerelles de partout, frérot. C'est aberrant, frérot. Ok. Incroyable. Incroyable. Des petites passerelles. On fait de l'acrobranche ou... Ça va être un cul-de-sac ou... Non mais il y a quoi là-bas aussi là? Non mais là il y a trop de trucs. Ah, ça c'est L7, c'est Fox. ok. Mais à qui appartient cette demeure? Une piscine, regardez. Oh waouh. C'est une piscine naturelle. J'ai vu ça sur TikTok. Incroyable. Chez Titi. Chez Titi. Snack bar ouvert de 8h à 23h59. C'est chez Titi. Mais c'est qui Titi? Toilette, WC, tenir ce lieu propre. j'ai 23 ans. Du coup, ça appartient à qui cette maison là? Y a pas de panneau? Ah là. Mais non, terrasse snack. Le petit port, le cousteau. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah! Ah! Je sais toujours pas à qui appartient ce bazar. C'est incroyable. En tout cas, bravo à toi, celui qui a fait ça. Plage, respirer et profiter. Mais qui sait? En fait, il y a tellement d'invités sur le serveur que je ne sais même plus qui aurait pu faire ça. Pourquoi mettre un paratonnerre sur un arbre, trou de balle? Après, ton arbre, il prend feu. Il est complètement con, celui qui a fait ça. Hop, un petit screenshot parce que c'est beau. Bah, c'est super. Il n'y a pas de porte d'entrée, là. Bon, je pense qu'on en saura bien plus. N'hésitez pas à pronostiquer dans les commentaires, à dire, voilà, votre avis, déjà, sur la construction, mais si vous pensez, voilà, à qui appartient cette construction. Voilà, n'hésitez pas à pronostiquer, et il se manifestera, et vous gagnerez... une carte Google Play, bien sûr, c'est faux. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais... Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'invite des gens sur le serveur, ils font de la merde. Non, je rigole. Oh, c'est joli, là. Non, c'est très rigolo, je dis ça en rigolant parce que je suis sûr que c'est Fox. Non, je rigole, je sais pas, j'en ai aucune idée, moi. Je sais pas du tout. Et puis là-bas, bon, bah, c'est My Godness, hein, là-bas, hein, qui a fait la maison. Mais je crois qu'il était pas revenu entre-temps, donc il n'y a pas eu grande nouveauté. Bah nous on va continuer notre maison en live hein, j'imagine. Donc n'hésitez pas à me follow sur Twitch encore une fois. Donc là plutôt le matin je pense, la semaine prochaine. Bah dans tous les cas c'est simple hein, le soir je suis pas là, je travaille. Et donc plutôt le matin. Et bah, c'est pas sûr que j'en fasse également. Mais si j'en fais ce serait le matin, c'est ce que je veux dire. Et on continuera donc notre maison, notre demeure. Voilà plutôt, plutôt cool. Ah je suis content de voir les copains là qui s'installent tout autour de chez moi quoi. C'est chouette. Franchement, c'est chouette. Et là, souvenez-vous, parce que on l'oublie, hein, ça fait longtemps, mais là, il y avait un bel accès, là, regardez, là. Un bel accès pour rentrer chez moi. Et là, franchement, on va faire un chemin qui communiquera chez My Godness. Voilà, on va vraiment faire des chemins et tout, avec la petite salamob ici. Salut, ma kékette. Hop, salut, ma kékette. Ah, comment ça, je t'ai pas one-shot, bâtard. Oh, bâtard. Oh, bâtard, tu fumes. Ok bah voilà, en tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo là, à peu près 15 minutes, le petit quart d'heure de plaisir du dimanche. Voilà, n'oubliez pas le like, petit commentaire qui fait plaisir, l'abonnement. Et puis voilà, c'est la récompense, plein de bisous les amis, c'était Mkolo. Regardez comme elle est belle ma maison par derrière là. Allez.